Salut à tous, vous êtes bien sur Lifestyler TV. On était en direct de l'Union Saint-Gilloise face à RWDM. Profitez bien de cette superbe vidéo. Couleur dans mon cœur, et quand vient le week-end, au parc du DEL, je chante pour mon club. Bonjour président, alors aujourd'hui c'est un match important ou c'est une fête? Ça sera une fête. Une fête en quoi ce match est une fête pour les supporters et pour vous? Pour réunir l'histoire, RWM contre Union, c'est l'histoire, c'est Bosman et Copenhague, c'est Bruxelles, donc réunir le sport, l'amitié et un festival du sport. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, un Union Saint-Gilloise contre RWDM? C'est grand, je sais pas moi, c'est deux grandes équipes alors... Et qu'est-ce que tu espères comme résultat aujourd'hui? Qu'on gagne. Est-ce que c'est la fête ou c'est l'honneur qui est en jeu aujourd'hui? La fête, l'honneur, nous l'avons déjà. La fête, l'esprit bruxellois, la fête. On a déjà des fameux supporters. Et donc, les supporters de l'Union sont géniaux. J'ai dit que c'était les meilleurs de Belgique. En proportion, évidemment, au standard, il y en a 25 000. Ici, il y en a 5 000. Et donc, je pense vraiment que les supporters de l'Union, ils chantent, ils sont fabuleux. En plus, association, aujourd'hui, avec ceux du RWDM, ça va être l'enfer du parc de la Dudaine, je crois. Raison de ta présence ici? Ben voilà, pour être tout à fait honnête, mon beau-père a joué ici en 89 et on en a discuté pour venir voir ce match. Il avait vraiment envie de venir, donc étant donné que pour mon sport à moi, Jürgen Batsch nous a aidé à l'époque, donc j'ai directement contacté Jürgen, voir s'il y avait la possibilité de venir voir le match, étant donné que c'est un derby bruxellois qui n'a plus eu lieu depuis très longtemps. Et voilà, donc Jürgen nous a invités et on est là aujourd'hui en espérant que l'Union gagnera. Bonjour Monsieur Tachény, alors c'est le jour J? Oui, c'est une magnifique occasion de venir ici à l'Union. L'Union contre le RWDM, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On le doit aux deux présidents, je trouve que c'est une belle dynamique. Bruxelles va vivre un grand moment avec deux clubs légendaires. Et bravo à ces deux présidents d'organiser ce genre d'occasion. Bonjour Monsieur le Président, alors aujourd'hui c'est le jour J. Jour J, oui, pour un match, je vais dire, symbolique, on va dire, en retour au stade, au Parc d'Uden, on va dire en classico, 30 ans que ça n'a plus existé ce derby, et c'est magnifique. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une véritable fête pour les Bruxellois et pour les fans de football? Bien sûr, mais plus, c'est génial quand on voit l'engouement, ce qui se passe, toutes les rues en face sont quasi pleines, c'est génial, c'est une grande fête bruxelloise. Ouais.